rendons grâce. Alléluia. Avant de rentrer dans le message du jour, avant d'entrer dans le message, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les 3 semaines de jeûne et prière que nous avons commencé lundi. Amen. Nous étions nombreux chaque soir, près de 200 personnes, près de 200 adorateurs, près de 200 intercesseurs chaque soir. Et vendredi soir, nous étions près de 300. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cette mobilisation? Amen. Et le Seigneur nous amène véritablement quelque part. Et voilà, ça change un peu. Le Seigneur a donné une autre manière de faire. Et on prend le temps de prier avec la Bible, avec des mots d'exhortation, d'encouragement. Et ça se ressent dans la prière. Amen. Et nous croyons que les résultats que nous allons obtenir ensemble, grâce à la prière collective, par la foi et sur la base de la parole de Dieu, seront des résultats sans précédent pour nos vies. Amen. Si tu le crois, alors acclame le Seigneur. Amen. Voilà, j'en profite pour encourager un frère, une sœur, quelqu'un qui n'est pas encore venu. Ça fait déjà 7 jours en fait, hein, mais on se retrouve seulement le soir du lundi au vendredi, mais ça fait déjà 7 jours de jeûne, puisque le samedi, beaucoup parmi nous continuons le jeûne. Amen. Et peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité ou tu ne t'es pas donné l'opportunité de venir en semaine le soir, mais je t'invite vivement à le faire, ça te fera beaucoup de bien. Et n'oublions pas une chose, il faut être là où Dieu est, il faut être là où Dieu parle, il faut être là où Dieu a donné rendez-vous. Amen. Parce que c'est là que ta vie peut être transformée, c'est là que ta vie peut être changée. Alléluia. Il y a toujours, on aura toujours des contre-programmes, on aura toujours des explications, des excuses pour ne pas être là où Dieu veut que nous soyons. Je ne dis pas que tout le monde pourra être là tous les soirs. Je crois que plusieurs pouvons être là tous les soirs. Moi, par exemple, je suis là tous les soirs. Amen. Mais même si pour diverses raisons, tu ne peux pas être là tous les soirs de la semaine pour couper le jeûne avec nous, enfin pour prier avec nous, dispose-toi au moins un jour, au moins 2 jours, un jour, une soirée, au moins 2 soirées dans la semaine. Tu dois toi aussi prendre part à cet élan, à cette dynamique spirituelle. Tu ne peux pas rester en marge de cela. Alléluia. Amen. Voilà. Après, il y a toujours des différences. Hein? Il y a toujours des différences. Il y a toujours la différence, une différence entre ceux qui savent se mobiliser et ceux qui ne savent pas se mobiliser. Oui, il y a des grâces, il y a des faveurs qui coulent davantage pour ceux qui savent payer le prix. Amen. Voilà, donc j'encourage vraiment quelqu'un à venir. On va continuer. On a déjà vu 5 thèmes et nous allons continuer encore. Juste pour information, nous n'avons pas encore prié pour les mariages et pour les bonnes fiançailles. Donc viens encore. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise merci, Seigneur. Je voulais aussi faire un clin d'œil à nos bien-aimés qui sont dans les cabines. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Voilà. Pour elles. Donc, comme vous le savez, ça a été annoncé il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous allons commencer donc un service, et d'ailleurs ça il faut communiquer, il faut en parler, que quelqu'un les amène, hein. Nous allons commencer un service de traduction simultané donc à partir de, alors peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, en tout cas dans les tout prochains jours, nous offrirons la possibilité à celles et ceux qui sont anglophones, néerlandophones, de pouvoir être avec nous et entendre, écouter le message traduit de manière simultanée grâce à nos bien-aimés qui sont actuellement dans les cabines. Donc aujourd'hui, il n'y a pas trop de pression puisqu'on n'a pas distribué les casques. Aujourd'hui, c'est un galop d'essai, comme on dit. Amen. Mais on peut les encourager. Alléluia. Voilà, donc c'est le moment de communiquer. On peut communiquer avec nos connaissances, nos amis, nos connaissances qui sont davantage anglophones et néerlandophones, afin qu'eux aussi ils puissent venir et être impactés par le message de l'évangile de paix. Amen. Alléluia. Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur? Nous allons rentrer dans la parole. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer, n'est-ce pas? Nous sommes toujours en train de comprendre, de chercher à comprendre, à décortiquer l'onction. Que quelqu'un dise l'onction. Alléluia. Et le titre
Je vais aller vraiment directement dans le vif du sujet. Pardon. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment activer votre onction ?» Alléluia. Comment activer votre onction ? Touche un voisin, dis-lui « Ah, ça, c'est pour toi. » Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Comment activer votre onction ? Alléluia. On a beaucoup parlé de l'onction depuis plusieurs semaines. On a beaucoup parlé de l'onction, on est en train de comprendre l'onction. Mais on a beaucoup parlé, maintenant, il faut maintenant chercher à comment j'active mon onction. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul nous donne une recommandation. Il nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Regarde un voisin et dis-lui, n'éteins pas l'esprit. Tourne-toi vers un autre voisin. Celui-là, il en dirait un peu, tourne-toi vers un autre voisin. Hein? Dis à celui-là, dis-lui, je ne t'en veux pas, mais je vais parler un peu à l'autre. Voilà. Dis-lui, n'éteins pas l'esprit. Alléluia. Si la Bible dit de ne pas éteindre l'esprit, c'est l'esprit grand E, donc le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, ça veut dire que il peut arriver, tu peux être dans une situation où le Saint-Esprit sur toi, c'est-à-dire l'onction, hein, parce que nous savons que l'onction, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Amen. Donc si tu éteins le Saint-Esprit sur toi, c'est-à-dire que tu désactives ton onction, oui ou non ? Oui ou non ? Quelqu'un me suit, non ? Dis à un voisin, il faut activer l'onction. Chacun de nous a une onction. Dis avec moi, j'ai une onction. J'ai une onction. Chacun de nous a une onction. Chacun de nous a une onction que Dieu a prévu de nous donner. Amen. Dont Dieu a prévu de nous revêtir. Parce que nous avons expliqué que l'onction, c'est un revêtement. Amen. L'onction, c'est un revêtement. Donc chacun de nous a une onction que Dieu a prévu, dont Dieu a prévu de nous revêtir. Et si nous vivons, c'est pour un but. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. C'est-à-dire que si tu vis, si tu respires, si tu es là dans cette salle, ça veut dire que Dieu a un but pour toi. Il y a une destinée que Dieu a préparée pour toi. Dis avec moi, j'ai une destinée. Mon frère, ma sœur, tu as une destinée. Dieu ne t'a pas suscité dans cette époque pour rien. Tu n'es pas venu juste pour accompagner les autres dans le chemin de leur destinée. Tu n'es pas venu juste pour faire de la figuration. Quand Dieu t'a suscité sur la terre, Dieu avait des projets. Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Tu es une solution, tu es une réponse aux problèmes, à certains problèmes qui minent ta génération aujourd'hui. Tu es une solution. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, je vais beaucoup te parler aujourd'hui. Dis-lui, tu es une solution. Alléluia. Amen. Donc si nous vivons, c'est pour un but. Dieu ne fait rien sans but. C'est-à-dire que si je suis là, c'est qu'il y a un but à ma vie. Il y a un sens à ma vie. Alléluia. Et c'est pas moi qui décide du sens de ma vie. Alléluia. Je suis une créature créée par le Créateur. C'est le Créateur qui sait pourquoi il m'a suscité. C'est pas moi qui décide du sens de ma vie. Quand tu décides du sens de ta vie, tu ne peux pas atteindre le but que Dieu a prévu pour toi. La voiture ne décide pas du sens de sa vie. La voiture ne va pas décider, non, moi, je veux être un hélicoptère. Et puis, elle va au-dessus d'une falaise, et puis, elle roule vite pour essayer de voler. Mais mon ami, ce n'est pas ta mission. Alléluia. Amen. Oui ou non ? Dis à un voisin, tu as un but. Et donc, Dieu a défini des buts, des projets pour chacun d'entre nous. Alléluia. Mais en même temps, pour atteindre ce but, pour atteindre ces buts, parce qu'il n'y a pas forcément un seul but, il peut y avoir plusieurs choses. Amen. Pour atteindre ces buts, Dieu t'équipe aussi. Il t'équipe avec quoi ? Il t'équipe avec son esprit, il t'équipe avec son onction. Parce que sans l'onction, tu ne peux pas atteindre l'objectif que Dieu t'a fixé. C'est impossible. C'est impossible. L'onction sert à avancer, à accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Alléluia. Toutefois, nous devons réaliser qu'il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des habitudes, il y a des pensées qui éteignent l'onction. Dis-moi amen si c'est vrai.
il y a des agissements qui tendent à réduire notre onction. On le verra plus tard. Mais aujourd'hui, nous voulons voir comment activer notre onction. Parce que nous avons tous une onction. Pour certains, cette onction a commencé à être activée. Elle est en train de commencer à agir. Pour d'autres, l'onction est complètement éteinte. Mais nous sommes là pour réactiver l'onction. Que quelqu'un les amène à ça. Comment j'active mon onction? Première chose, il y a plusieurs points. Première chose, j'espère tout voir aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être possible, mais en tout cas, on commence. Première chose, si vous voulez activer votre onction, d'abord, positionnez-vous dans votre couloir. Alléluia. Positionnez-vous dans votre couloir. Quand je parle de couloir, bien entendu, je parle de couloir, du couloir de ta destinée. Amen. Chacun a son couloir. Chacun a son couloir. L'apôtre Paul pouvait dire, je cherche à achever la course. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ce n'est pas une course contre ton voisin. Ce n'est pas une course contre ton prochain. C'est une course dans ton couloir. Alléluia. C'est une course dans ton couloir. Ce n'est pas une course contre quelqu'un d'autre. Il y a un couloir que Dieu a défini pour toi et il faut que tu sois dans ce couloir pour recevoir l'onction. Si tu n'es pas dans ce couloir, l'onction ne peut pas couler sur toi. Quelqu'un me suit? Il y a des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui sont donc chrétiens, chrétiennes, nés de nouveau, qui sont sauvés. Ils n'iront pas en enfer. Gloire à Dieu. Amen. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas connectés à leur couloir. Ils ne sont pas connectés à leur couloir. Ils ne sont pas dans les voies que Dieu avait prévues qu'ils soient. Ils ne sont pas dedans. Ils sont à côté. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas en train, ils ne sont pas sur le chemin de faire ce que Dieu avait prévu qu'ils fassent. Et il y en a beaucoup comme ça. Et dans la salle, il y en a aussi. Regarde un voisin, dis-lui, est-ce que c'est toi? Si tu veux activer ton onction, si tu veux activer l'onction que Dieu a prévue pour toi, il faut que tu sois dans ton couloir. C'est lorsque vous êtes dans votre couloir que vous recevez et que vous activez l'onction. C'est lorsque vous êtes en train de faire ce que Dieu attend de vous que l'équipement spirituel de Dieu vous est donné. Amen. Et n'oublions jamais que l'onction a un but. L'onction a un but. Et c'est lorsqu'on accomplit ce but que l'onction est manifestée. On ne va pas te donner l'équipement. On ne va pas te donner l'équipement qu'il faut pour une mission si toi, tu es en dehors de la mission. Quelqu'un me suit? Dieu te donne l'équipement quand tu es sur le chemin de la mission. Mais si tu es en dehors, tu ne peux pas recevoir l'équipement. En tout cas, pas pleinement. Dans Luc chapitre 4, verset 14 à 15, Luc chapitre 4, verset 14 à 15, la Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, donc de l'onction, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Que quelqu'un les amène à ça. Pourquoi est-ce que Jésus, après avoir reçu le revêtement du Saint-Esprit, après avoir reçu l'onction, est reparti en Galilée? Pourquoi? Parce que ça faisait partie du couloir, ça faisait partie du chemin que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était en train d'accomplir le pourquoi le Père l'avait envoyé. Et c'est la raison pour laquelle l'onction de Dieu est demeurée sur lui. Elle a demeuré sur lui. Quelqu'un me suit? Tu reçois l'onction de Dieu lorsque tu connectes au plan de Dieu pour ta vie. Tu veux l'onction, tu veux activer l'onction, il faut te connecter à ton couloir. Il faut te connecter au plan que Dieu a prévu pour ta vie. Autrement dit, lorsque tu es dans ton couloir, dans le couloir de ta destinée, c'est là que l'onction est activée pour toi. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible nous dit que nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui ? De Dieu, n'est-ce pas? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour
de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres, pour accomplir des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, non pas afin que nous les regardions, mais afin que nous les pratiquions. Et c'est lorsque tu pratiques, c'est lorsque tu es dans le couloir de la pratique, dans le couloir de ta destinée, que l'onction vient sur toi. C'est la première chose qui te permet d'activer l'onction. Positionne-toi dans ton couloir. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. En dehors de ton couloir, ton onction ne peut pas être déployée correctement. En dehors de ton couloir, quand tu es en train de faire, tu es en train de faire des choses que Dieu... Tu es dans un couloir que Dieu ne t'attend pas. Tu es dans quelque part où Dieu ne t'attend pas. Quand tu es là, ton onction ne peut pas être pleinement sur toi. Ce n'est pas possible. Parce que l'onction a un but. Et c'est lorsque tu es en train de faire le but, lorsque tu es en marche pour faire le but, que l'onction vient sur toi. Amen. Comment activer votre onction? Deuxième élément, deuxième chose, reconnaissez, c'est important, reconnaissez officiellement votre autorité spirituelle. Gloire à Dieu pour ceux qui ont dit amen. Tonton vers un voisin, dis-lui, pourquoi tu n'as pas dit amen là? Hein? Reconnaissez. Non, moi, je ne veux pas reconnaître, moi, je n'ai pas d'autorité spirituelle. Ma seule autorité spirituelle, c'est Jésus-Christ. OK. Reconnaissez officiellement votre autorité spirituelle comme telle. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 5 à 6, Jésus n'était-il pas le Fils de Dieu? Jésus n'était-il pas le Fils de Dieu? Hein? Dans Matthieu, dans ce passage de Matthieu, chapitre 3, n'était-il pas le Fils de Dieu? Il est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que normalement, est-ce qu'il y a un homme qui a une autorité au-dessus de lui? Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Auprès de qui? De Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Donc les autorités de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Que quelqu'un dise amène à ça. Amen. Alléluia. À la lecture de ce texte, en fait, on comprend, lorsqu'on lit le début des évangiles et lorsque les passages qui parlent de Jean-Baptiste les passages qui annoncent sa venue, on se rend compte, on comprend qu'en fait, Jean-Baptiste était clairement, je dis bien clairement, Jean-Baptiste était clairement l'autorité spirituelle établie par Dieu dans son époque. Que quelqu'un dise amène à ça. C'était lui, c'était l'autorité spirituelle établie par Dieu dans son époque. Amen. Alléluia. Verset 13. On va directement au verset 13. Alors Jésus vint... Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Que quelqu'un dise amen. 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 Mon frère, ma sœur, Jésus, Dieu le Fils, Jésus a reconnu l'autorité spirituelle qui prévalait sur lui dans son époque. Le Fils de Dieu reconnaît, il s'est dépouillé de sa gloire céleste, n'est-ce pas? Et il est venu pour réaliser une mission que le Père lui a donnée sur la terre. Mais quel que soit son appel, quelle que soit sa renommée, quelle que soit sa grandeur, quel que soit son niveau spirituel, il a reconnu l'autorité spirituelle qui était établie durant son époque. Il y a des gens, ils ne veulent pas reconnaître leur autorité spirituelle. Parce qu'ils se disent, parfois il y en a qui se disent, non, moi je prie mieux que lui, pourquoi je veux le reconnaître? Moi, je prêche mieux que lui, pourquoi je veux le reconnaître? Moi, j'exhorte mieux que lui, pourquoi je veux le reconnaître? Jésus a reconnu
l'autorité spirituelle de son époque. Et cette autorité spirituelle, c'était un homme qu'on appelait Jean. Et il s'est fait baptiser par lui. Que quelqu'un les amène à ça. Alléluia. Que quelqu'un les amène. Et lui-même, Jean, il dit, mais quand il discerne, parce qu'il connaissait, Jésus, il se connaissait. Leur famille était des familles amies, oui ou non? Hein? Mais c'est ce jour-là qu'il a eu le discernement, la révélation que le Messie pour lequel lui-même il préparait le terrain, c'était son ami d'enfance, Jésus. C'est là où ses yeux se sont ouverts. Et c'est là qu'il dit, mais en fait, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt moi qui dois être baptisé. Jésus reconnaît l'autorité spirituelle. Amen. Tu veux activer ton onction? Positionne-toi dans ton couloir. Reconnais ton autorité spirituelle comme telle. Reconnaissez votre berger comme étant votre berger. Je ne parle pas, je ne dis pas ça parce que c'est moi le berger de ICC Bruxelles. Je dis ça parce que tu dois comprendre comment activer l'onction que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Amen. Reconnaissez votre berger comme étant votre berger. Reconnaissez-le officiellement. Officiellement, ce n'est pas envoyer une lettre officielle, je te reconnais comme... Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu reconnais, c'est-à-dire qu'au-dedans de toi, tu reconnais que voilà, cette personne, c'est mon berger. Oui, non? C'est mon pasteur. Tu le reconnais. Et quand tu discutes avec d'autres, tu le reconnais, tu peux le reconnaître officiellement, ouvertement, c'est mon pasteur. C'est mon berger. Tu dois reconnaître ton berger. Tu dois reconnaître ton pasteur. Tu dois le reconnaître comme tel. Pas juste comme étant le pasteur de l'église où tu vas. Oui, oui. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que pour beaucoup dans cette salle, je suis votre pasteur. Pour beaucoup. Je suis votre pasteur. Vous me reconnaissez comme tel. Parce que dans votre cœur, vous me reconnaissez comme étant votre pasteur. Mais pour d'autres qui sont aussi dans cette salle, je suis juste le pasteur de l'église dans laquelle ils vont. Dans laquelle ils vont. Oui, c'est ça. Oui, oui. Il y a une différence. Hein. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Ça se discerne. À la manière de parler, à la manière de... Ça se discerne, en fait. Ça se discerne. Moi, je sais, il y en a. Je sais. Je ne suis pas votre pasteur. Il y en a, je sais. Je sais. J'aurais bien voulu, mais vous ne voulez pas de moi. Non, voilà. Mais je ne suis pas votre pasteur. Je le sais. Mais en même temps, moi, je fais ce que j'ai à faire. Amen. Moi, je discerne aussi que pour beaucoup, hein, par la grâce de Dieu, hein, quand même la majorité, je suis votre pasteur. Oui, non? Ah oui, c'est discerne. Si quelqu'un me dit, vous êtes mon pasteur actuel, je dis, Oui, ok, je suis ton pasteur actuel, ok. Je comprends, discernement. Amen. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas. Non, je ne suis pas ton pasteur. Je ne suis pas ton pasteur. Parce que... Ah, mon frère. Quand, ma sœur, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Ce n'est pas que je cherche à être ton pasteur. C'est pour toi. Tu es dans un environnement. Tu es dans un contexte. Tu es dans un environnement. Tu dois apprendre à reconnaître ton autorité spirituelle comme telle. Sinon, ce n'est pas à ton avantage. Même si tu crois que c'est un avantage, ce n'est pas ton avantage. C'est pas ton avantage. Non, pour certains, je ne suis pas ton pasteur. Mais quand ton pasteur vient, là, tu vas voir ton pasteur. Là, ça, lui, c'est ton pasteur. Oh oui, mais moi, je ne suis pas ton pasteur. Ah oui. Dans tes pensées, dans ton cœur, je ne fais pas le poids avec ton pasteur. Non, il n'y a même pas. S'il y a deux programmes en même temps, moi, non. Je ne suis pas ton pasteur. Ouais.
Mais fais attention parce que là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a placé, tu dois apprendre à discerner, à reconnaître ton autorité spirituelle. Parce que si tu ne reconnais pas ton autorité spirituelle, l'onction que Dieu a prévue sur toi ne viendra pas sur toi. C'est pour ton bien que je dis ça. Dans Jean chapitre 10, au verset 14, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » C'est-à-dire, « Je suis le bon pasteur. » Amen. Berger, c'est pasteur. Il dit, « Je suis le bon berger, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Je connais mes brebis et elles aussi me connaissent. C'est ça qui va lier une brebis à son berger. Ils se connaissent. Amen. Ils se connaissent. Est-ce que ça veut dire que forcément, ils se connaissent, ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble? Non. Ça veut dire que tu connais le cœur de ton berger. Tu connais comment il pense. Tu vois, non? Tu le connais. Tu sais ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas. Tu sais quelles sont ses pensées, tu sais quelles sont ses valeurs. Tu sais. Quelqu'un me suit, non? Amen. Et le berger, en même temps, il apprend aussi à connaître les brebis du Seigneur, les brebis que le Seigneur lui a confiées. Il apprend à connaître le peuple que Dieu l'amène à faire grandir, à conduire et à diriger. Amen. Certains parmi vous, je vous connais personnellement. Il y en a d'autres, je ne vous connais pas personnellement, mais en même temps, je vous connais d'une certaine manière. Quelqu'un me suit? Alléluia. Dis à un voisin, reconnais officiellement ton autorité spirituelle. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 27. Jésus continue, il dit, mes brebis à moi entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Quand je parle, elles entendent, elles écoutent. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Quand le berger parle de quelque chose qui est important à ses yeux, quand le berger parle de quelque chose qui est important, quand il insiste, les vraies brebis comprennent et s'alignent, le suivent sur ce qu'il est en train de dire. Les autres, je ne dirais pas que c'est des boucs. Mais ils ont un autre berger. Mais sauf que là où tu es, dans le champ où tu es, le berger, il est là déjà. Tant que tu ne le reconnais pas, ce sera compliqué pour toi. Tu pourras avoir toutes les justifications que tu veux, ce sera compliqué pour toi. Ouais. Je dirais même, et je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est pour ton bien, je dirais même, il vaut mieux que tu changes de champ, hein, plutôt que d'être dans un champ où il y a un berger que tu ne reconnais pas. Alléluia. Troisième chose, comment activer votre onction? Et chacun de nous doit activer l'onction que Dieu a prévue pour lui. Chacun de nous. Comment activer votre onction? Soumettez-vous à votre autorité spirituelle. On a dit, reconnaissez votre autorité spirituelle, mais ensuite, soumettez-vous à votre autorité spirituelle. Je rappelle encore, être soumis, c'est être sous la mission. La soumission, ce n'est pas un mot, c'est pas un mauvais mot. C'est simplement qu'il est mal perçu aujourd'hui parce qu'il est mal compris. Le véritable sens de soumission, c'est être sous la mission. Quand on dit soumettez-vous à votre autorité spirituelle, ça veut dire soyez sous la mission de votre autorité spirituelle. Quand on dit à une femme, soumets-toi, femme, madame, sœur, soumets-toi à ton mari, c'est pas fais-toi écraser par ton mari, mais fais-toi comme un paillasson devant ton mari. C'est pas ça. Et c'est parce que certaines sœurs comprennent mal le mot soumission, c'est pour ça qu'elles combattent, elles veulent combattre. Non, jamais, je ne peux pas me soumettre. Comment d'ailleurs il va me soumettre, lui? Comment il va me soumettre?
J'ai été élevé avec 9 frères. Il va me soumettre comment? Mais ça n'a rien à voir. C'est quoi? Pourquoi tu sors les... C'est quoi le problème? Tu veux montrer quoi? On dit juste d'être sous la mission. Sous la mission. Il y a une mission et toi, tu es sous la mission. Alléluia. Amen. Soumets-toi à ton autorité spirituelle. Ah non, je ne vais pas me soumettre. Ah non, je ne vais pas me soumettre. Mais si tu ne te soumets pas à ton autorité spirituelle, si tu n'es pas sous sa mission, tu ne pourras jamais activer l'onction, pleinement l'onction que Dieu a prévue pour toi. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 15. C'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. Verset 15. Jésus lui répondit. Regardez ce que Jésus répond. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Alléluia. Jean ne veut pas, non, Jean ne veut pas. Il dit, non, mais c'est moi qui dois être baptisé par toi, ce n'est pas l'inverse. Jésus dit, il faut faire ce qui est juste. En d'autres termes, il est en train de dire, Jean, aujourd'hui, il a dit maintenant, que quelqu'un dise amen. Il dit, laisse faire maintenant. Il dit maintenant, non, il dit, Jésus comprend ce que Jean veut dire. Oui ou non? Il comprend ce que Jean veut dire. Parce que Jean réalise, mais en face de moi, j'ai le Messie et c'est moi qui dois baptiser le Messie. Jésus dit, non, écoute, maintenant. Laisse faire maintenant. Il faut comprendre, il faut discerner les temps et les saisons. Alléluia. Il dit maintenant, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus reconnaît que cet homme, Jean, même si lui, il est Dieu, le Fils, il reconnaît qu'il doit se soumettre à l'autorité spirituelle. Il a reconnu l'autorité spirituelle. C'est la raison pour laquelle il est allé vers Jean au Jourdain et ensuite il se soumet à l'autorité spirituelle qui prévaut là où il est. Quelqu'un me suit? Alléluia. Et quand tu fais ça, la Bible dit quoi? Quand tu te soumets à ton autorité spirituelle, quand vous vous soumettez à votre autorité spirituelle, vous êtes en train d'accomplir devant Dieu ce qui est juste. Alléluia. C'est ce qui est juste. Amen. Je suis sous la mission. Vous savez quoi? Un fils ou une fille, un fils spirituel, une fille spirituelle, va se distinguer par rapport à une autre brebis dans le sens où le fils et la fille sont véritablement sous la mission. Ils sont soumis. Quelqu'un me suit ou pas? Parce que tu peux avoir une brebis qui reconnaît son pasteur. Amen. Reconnaît son pasteur. Mais après, ce n'est pas la même chose de reconnaître. Il y a reconnaître, c'est très bien, mais il y a encore un autre niveau, c'est se mettre sous la mission, c'est-à-dire se soumettre. Alléluia. La Bible dit dans Malachie chapitre 1, verset 6, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, il pose une question, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Il dit, Dieu dit qu'un fils honore son père. Amen. Autrement dit, quand on dit un fils honore son père, on comprend aussi que dans le honorer, on comprend qu'il y a aussi la notion de soumission. Oui ou non? Un fils honore son père, un fils est soumis à son père. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Un fils est sous la mission de son père. Si tu es d'accord, dis-moi amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, parfois on entend des frères, des sœurs qui disent à leur pasteur, qui disent, pasteur, vous êtes ou tu es, non, tu es mon père, ok. Amen.
Tu m'en perds. Ok. Mais souvent, ils disent, je suis, pasteur, je suis votre fils spirituel. Je suis votre fils spirituel. Mais sauf que ce n'est pas dans ce sens-là. Comment expliquer ça? Un enfant peut reconnaître son père, peut dire, ça c'est mon père. Quelqu'un me suit, non? Ça c'est mon père, ça c'est mon papa, ça c'est mon père. Mais ce n'est pas le fils qui dit, je suis ton fils. Ou vous, je suis votre fils. Parce que c'est le père qui reconnaît le fils. C'est comme à la maternité, à l'état civil. You, non, c'est pas comme ça, l'état civil. C'est-à-dire que c'est le père qui dit, lui-là, je le reconnais comme étant mon fils. Ça va ou pas? C'est bon, non? J'explique bien, ça va? Hein? Amen? Ah oui. Parce que tu peux pas venir me dire, pasteur Christian, je suis votre fils spirituel. Et toi, ton témoignage est ambigu, hein, pour ne pas dire compliqué. Ton témoignage est ambigu, tu vois, ta consécration est bizarre. Quoi dire encore, hein? Tes agissements sont suspects, etc., etc. Et puis, tu dis que tu es mon fils. Non, mon frère. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Là, j'ai dit non. Je dis, c'est le père qui reconnaît l'enfant. Il dit que cette sœur, je peux dire que cette sœur, c'est ma fille. Voilà. Là, j'ai plusieurs filles, plusieurs fils ici. Je les reconnais. Amen. Ah oui. Et puis on a... Ah vraiment. C'est-à-dire que le gars, Ah vraiment, en tout cas. Non, rassure-toi, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Tu cours après... Tu cours après les sœurs. Hein? Tu sais, quand tu veux te marier, quand Jésus dit jette le filet, c'est pas pour le mariage. C'est pas pour le mariage. Jette le filet, c'est pas pour le mariage. Hein? Il y en a, on dit, ils veulent me marier, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils jettent le filet. Hein? Et puis, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça du tout. C'est pas comme ça. Hein? Oh, on ne sait jamais s'il y en a qui disent non. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme... Il y a des frères qui font ça comme ça. Voilà. D'ailleurs, le frère, là, actuellement, il rigole pas parce qu'il est un peu... Tu vois, non, s'il y a un frère à côté de toi qui n'a pas de bague et qui rigole pas, c'est que peut-être qu'il jette le filet, lui. Tu vois? Non. Non, en matière de mariage, c'est pas jette le filet. C'est plutôt hein, l'hameçon. Ça, oui, c'est voilà, l'hameçon. Et des frères, ce sont des jeteurs de filet. Par la foi. Jette le filet. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Pas comme ça. Hein? Et puis toi tu vas me dire que tu es mon fils. Attends, le fils il fait comme le père. Hein? Moi j'ai jamais jeté de filet. Hein? Moi j'avais juste un hameçon bien ciblé là. Alléluia. Juste un. Juste un. Pas couru après plusieurs sœurs. Non. Moi, c'était clair. Il y a une seule, une only one. Hein? Amen. Et puis, on a, ils sont un peu plus subtils. C'est-à-dire qu'il met un hameçon là, et puis il va mettre encore un autre hameçon là. Même ça, là, c'est pas bon. Voilà. C'est le père qui reconnaît le fils. Et le père reconnaît le fils quand il voit le fils, le caractère du fils, le caractère de la fille, comme étant des brebis qui sont sous sa mission. Amen. Et qui honorent le père. Que quelqu'un les amène à ça. Alléluia. Ah. Fallait le dire, hein. Ah.
Comment activer votre onction? Quatrième élément. Servez sous le leadership de votre autorité spirituelle avec ses valeurs et sa vision. Que quelqu'un dise amène à ça. Alléluia, c'est important. Chaque mot est important là. Servez sous le leadership de votre autorité spirituelle avec ses valeurs et avec sa vision. Parce que tu peux servir sous le leadership de ton autorité spirituelle sans avoir ses valeurs. Quelqu'un me suit, non? Et il y a des gens comme ça dans les églises qui servent, ils servent au sein de l'église, mais ils ne servent pas avec les valeurs du berger. Vous voyez, non? Mais quand tu fais ça, même si tu sers, tu n'es pas en train d'activer l'onction que Dieu a prévu dont Dieu a prévu de te revêtir. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi amen. Dis-moi un meilleur amen. Amen. Alléluia. Amen. Servez sous le leadership de votre autorité spirituelle avec ses valeurs et avec sa vision. Amen. C'est comme ça. Et parfois dans le service, quand quelqu'un... dans le service, on se retrouve parfois avec des frères et des sœurs, bon, qui sont dans le service, et puis à un moment donné, ils vont commencer à prendre le nom du pasteur pour dire le pasteur a dit ça, ou il a dit ça. Non, c'est le pasteur qui a dit. Non, c'est comme si. Non, c'est comme ça. Ah. Et puis en même temps, tu discernes, mais le pasteur, la Bible dit, Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent, n'est-ce pas? Mais en même temps, ah, ça là, ce que tu dis là, c'est ça. Ça sonne. Moi, je connais mon berger. Je connais. Ce que tu dis là, c'est pas. Quelqu'un me suit, non? Toi, non? Hein? Et souvent, ce sont des gens. Ils servent, mais ils servent pas avec les valeurs et avec la vision, en fait. Et donc après, ils veulent servir avec leurs propres valeurs, hein? Et puis, les gens qui sont autour, qui sont eux véritablement des brebis, hein, qui connaissent le berger, à un moment donné, ils vont dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on sert, tous sous le leadership de notre autorité spirituelle, mais la manière dont tu sers là, hein, ce que tu mets en avant, c'est pas le cœur du pasteur, c'est pas le cœur du berger que Dieu nous a donné. Et si c'est ton cas, eh ben, tu auras du mal à activer l'onction. Josué chapitre 11. Mettez-vous au service de la vision que Dieu a donnée à votre autorité spirituelle. Josué chapitre 11, verset 15. Je vais lire avec la version du semeur. En général, la version que j'utilise, c'est Louis II. Mais là, pour ce verset, je trouve que la version du semeur, elle explique un peu mieux. Josué chapitre 11, verset 15. Josué se conforma. Que quelqu'un dise, il se conforma. Josué se conforma entièrement. Que quelqu'un dise entièrement. Alléluia. Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à son serviteur Moïse et que celui-ci lui avait transmis. Il n'enfreignit aucun de ses ordres. Que quelqu'un les amène à ça. Alléluia. Voilà quelqu'un, voilà un jeune homme qui a servi Dieu, parce qu'au final, celui que tu sers, c'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il a servi Dieu sous le leadership, sous l'autorité spirituelle de Moïse, amen, hein, qui était en fait son berger, hein, et il l'a fait en se conformant entièrement à ce que Dieu avait dit, à ce que Moïse lui avait dit. Parce que Dieu n'a pas parlé directement à Josué, mais il a parlé à Moïse. Moïse a transmis à Josué, et Josué n'a enfreint, la Bible dit, aucun de ses ordres, aucune de ses recommandations. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 2 au verset 5, la Bible
C'est dans le contexte où Élie est enlevé. Élie est enlevé. Les fils des prophètes, verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Élisée, c'était le serviteur d'Élie, n'est-ce pas? Amen. Les fils des prophètes, donc, qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître ?» Que quelqu'un dise « ton maître ». « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et Élisée répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élisée savait que Élie était son maître. Il n'a pas contredit les prophètes de Jéricho. Quelqu'un me suit, non? On dit, c'est ton maître. Il reconnaît que c'est son maître. Amen. À la fois Josué, à la fois Élisée, ont véritablement servi. Ils ont servi Moïse d'un côté et Élie de l'autre côté. Ils les ont servis. Ils ont servi sous leur leadership avec leurs valeurs, en suivant leurs valeurs et en suivant la vision que Dieu avait donnée à leur berger. Amen. Alléluia. Et c'est exactement ce que nous devons faire. C'est exactement ce que nous devons faire. Amen. Et quand on dit servez sous le leadership de votre autorité spirituelle, comprenez aussi la notion d'autorité. Il y a une notion d'autorité directe. Amen. Autorité spirituelle directe, c'est-à-dire quand le berger parle. Mais il y a aussi une autre notion qui est tout aussi importante, c'est l'autorité déléguée. Que quelqu'un dise amen à ça. L'autorité déléguée, c'est-à-dire qu'il y a des responsables, il y a des autorités déléguées qui ont été établies dans l'Église. Et même si ces autorités déléguées ne sont pas les pasteurs, ce sont quand même des autorités déléguées. Et quand tu veux servir sous le leadership de ton autorité spirituelle, avec ses valeurs et avec sa vision, ça veut dire que tu dois aussi respecter, servir sous l'autorité des autorités déléguées. Quelqu'un me suit? Tout comportement du genre, tout comportement du type, moi en tout cas, c'est un responsable qui te parle. Et là tu dis, moi en tout cas, moi je traite directement avec le pasteur. Moi, ce que tu dis là, bon. Il y a des gens comme ça. Vous en connaissez, non? Il y a des gens comme ça. Quand tu agis comme ça, là, tu peux être sûr d'une chose. L'onction que Dieu avait prévu de mettre sur toi, tu ne peux pas l'activer. Non. Tu respectes l'autorité déléguée. Déléguée. Tu salues le pasteur, il y a une autorité déléguée à côté. Tu salues le pasteur. Pasteur, autorité déléguée. Ah, mais quand même. Je comprends que tu veux me montrer. Enfin, c'est pas mauvais, hein, une marque de respect. Mais quand même, tu peux pas à côté. L'autre, bon, quand même. C'est dans ces petites choses-là. Je deal directement avec le corps pastoral, moi. C'est-à-dire que le responsable te parle, il te dit c'est comme ça qu'il faut faire. Toi, tu dis, bon, je vais vérifier auprès de l'autorité pastorale. Mais quand même, qui a établi cette autorité déléguée? Qui a établi? Vous imaginez quand le beau-père de Moïse, Jéthro, est venu trouver Moïse, qui était en train de s'épuiser. Parce que la manière dont il gérait les enfants d'Israël, le peuple des enfants d'Israël, ce n'était pas la bonne manière. Parce que le nombre était tellement grand, le peuple était devenu tellement grand, Moïse gérait toutes les affaires. Toutes les affaires. C'est lui qui traitait toutes les affaires. Tout. Il traitait tout. Problème de vol. Hein? Problème d'escroquerie. Il gérait. L'autre marche, il m'a marché sur. Je marchais dans la rue, l'autre, il m'a marché sur le pied. Il faut aussi venir voir Moïse pour dire voilà, il a sali ma chaussure. Moïse, tu dis quoi? À un moment donné, j'ai trop son beau-père dit mais quand même, si tu veux amener
ce peuple-là, là où Dieu te demande de les emmener. Il faut que tu changes. Tu ne peux pas gérer tout ça comme c'est impossible. Et c'est là qu'il lui donne une inspiration en disant, avec discernement, il lui donne l'inspiration en disant, non, tu ne peux plus tout gérer, qu'est-ce que tu fais? Tu vas établir des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, non. Mais maintenant, si celui qui est sous le leadership, l'autorité d'une autorité déléguée, qui est chef de 50 ou chef de 100, et puis l'autorité déléguée lui parle pour dire, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire, voilà. Et lui, il dit, non, 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 moi, je deal directement avec Moses. Ça ne peut pas fonctionner. Quelqu'un me suit? Tourne-toi vers un voisin. Dis-lui, je ne sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, repends-toi. Alléluia. Et vous devez servir l'autorité, vous devez servir sous le leadership de votre autorité spirituelle avec ses valeurs et sans oublier la vision. Et à ICC, nous avons des valeurs que quelqu'un les amène. Nous avons des valeurs qui sont des valeurs du royaume. Ce n'est pas des valeurs qu'on a inventées comme ça. Ce sont des valeurs bibliques, ce sont des valeurs du royaume de Dieu. Et nos valeurs, c'est Christ. Que quelqu'un dise Christ. Amen. Christ, c'est pour consécration. Ça, c'est nos valeurs, la consécration. C'est la première des valeurs, la consécration. Je suis consacré. Je suis consacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que mon temps, mes talents, mes trésors, tout ça appartiennent à Dieu. Je suis consacré. Amen. Et dans le mot consacré, il y a une notion de sanctification. Je sers, mais avec les valeurs. Je sers avec les valeurs de mon autorité spirituelle. Je sers dans la consécration. Pas je sers, et puis en ville, j'ai mon petit copain, ma petite copine. Et puis quand on arrive à l'église ensemble, je te dépose deux pâtés de maison plus loin, et puis toi, tu reviens à pied. Et puis, moi, je viens en voiture, et puis, on vient à l'église. Seigneur, me voici. Quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui avale sa salive là. Je sers avec humilité. Si c'est à ICC, je sers avec humilité. Humilité. Et l'humilité. L'humilité, c'est pas... Homme de Dieu. On a vu ça. Autorité, autorité. Il vient de baptiser. Il est même pas marié, il vient de batifoler toute la nuit. Et puis il dit autorité. C'est pas ça l'humilité. Amen. Je sers avec humilité. L'humilité se voit d'abord, elle se voit à l'extérieur, mais elle est d'abord dans le cœur. Elle est d'abord dans le cœur. Et l'humilité fait partie des traits de caractère que ce n'est pas à nous de mettre en avant, c'est les autres qui doivent le dire. Il n'y a pas des choses, tu ne peux pas venir dire « je suis humble hein? ». Bon, quelles sont tes qualités? Je suis humble. Et déjà, quelqu'un me suit, non? C'est pas toi qui dois dire je suis humble. Moi, je suis humble, hein? Je suis humble. Ok. Bon, déjà, quand on entend ça, on se pose là, ok. On commence déjà à comprendre, à voir. Non, c'est les autres qui doivent te dire de toi, ça, c'est une personne humble. Amen. Le respect, R, c'est le respect. Je respecte. Je respecte les autorités, je respecte les autorités déléguées, je respecte mes frères. Et même si moi, je suis une autorité déléguée, je suis un responsable, je ne respecte pas uniquement ceux qui sont, entre guillemets, en haut, je respecte aussi ceux qui sont, entre guillemets, sous ma responsabilité, en bas. Parce qu'il y a des gens, eux, ils respectent seulement, et le respect ne va que comme ça. Quand c'est comme ça, c'est « Oh !» Je t'avais pas donné un ordre, là, de faire ça, là. Hein, je t'ai donné un ordre, non? C'est un petit caporal.
Non, 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 non. Tu respectes. Tu respectes, c'est dans les deux sens. Amen. Ça, le respect. Il y a des gens, ils respectent seulement ceux qui ont, tu vois, ceux qui sont, vous voyez, ceux qui sont élevés, honorés, hein, ou bien ceux qui ont de l'argent. Vous voyez, non? Respecte. Tu vois quelqu'un arriver dans une grosse, grosse voiture, bien brillante là, pimpante. Hein? Et si toi, tu fais l'accueil ou la sécurité, la personne arrive, tu ouvres la porte et puis tu es... Je vous conduis. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. Hein? Et puis quelqu'un arrive, il arrive, il descend du tram. Et puis, il arrive. Avec sa bulle. Tu dis, bon, écoute, c'est la barre. Tu veux. Ça, là. Ça, c'est pas le respect, ça. C'est pas le respect, c'est pas l'humilité. Pas l'humilité. Est-ce que vous voyez des gens comme ça, vous avez l'impression qu'ils sont respectueux et humbles, mais ce n'est pas vrai. Parce que le jour où eux aussi, ils auront l'argent ou bien ils seront élevés, ils voudront qu'on les traite comme ça. Exactement comme ça. Et si on ne les traite pas comme ça, alors là... Vous voulez activer votre onction? Vous voulez activer votre onction? Oui. Rendez-vous dimanche prochain. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Mais comprenons que même si chacun d'entre nous a été oint par Dieu, et oint par Dieu. Il y a une onction que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Comprenons que cette onction doit être activée. Amen. Elle doit être activée. Et pour qu'elle soit activée, elle ne le sera pas avec de mauvais comportements. Elle le sera d'abord quand tu te positionnes dans ton couloir. Lorsque tu reconnais officiellement ton autorité spirituelle comme telle. Lorsque tu te soumets à cette autorité spirituelle, lorsque tu sers sous le leadership de cette autorité spirituelle, mais avec ses valeurs et avec sa vision. Que quelqu'un les amène à ça. Alléluia. Nous allons incliner la tête. Si tu peux te tenir debout, c'est mieux. Si tu ne peux pas, bon, c'est pas grave. Nous allons incliner la tête et... Merci Seigneur. Incline la tête avec moi et commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que le fait d'être exposé à ce genre de message, le fait d'entendre ce genre de choses, ça signifie que Dieu veut véritablement nous oindre. Dieu veut te oindre. C'est la saison, c'est véritablement la saison où Dieu veut déverser sur son peuple que nous sommes une onction. Véritablement. Sinon, il ne nous aurait pas conduit à aborder ces différents points. Il ne nous aurait pas conduit à rester aussi longtemps sur la personne du Saint-Esprit. Alors dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, je te bénis. Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je veux que tu me positionnes. Je veux que tu me positionnes dans mon couloir. Parce qu'il me faut l'onction. Il me faut l'onction. L'onction, c'est un équipement que tu as prévu pour moi et dont j'ai besoin. Il me faut l'onction. Seigneur, repositionne-moi dans mon couloir. Repositionne-moi, positionne-moi, s'il te plaît. Je m'étais égaré, quelque peu égaré. Je m'étais dérouté. Ma route avait été déroutée. Dérouté par les pièges de l'ennemi. Dérouté par les mensonges. Dérouté par ma propre folie. Par mon propre manque de discernement. Par mon propre manque de sagesse. Seigneur, je prie pour que tu me repositionnes. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que tu dois prier maintenant. Demande au Seigneur, positionne-moi. Positionne-moi dans mon couloir. Positionne-moi dans mon couloir. Le couloir que tu as conçu pour moi. Positionne-moi dans ce couloir, Seigneur.
Je ne veux plus être à l'écart. Parce que quand je suis à l'écart, je ne suis pas en train de manifester ce que tu veux que je manifeste. Lorsque je suis à l'écart, je ne suis pas en train, Seigneur, d'accomplir les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour moi. Lorsque je suis à l'écart, je ne peux pas bénéficier de l'équipement. Je ne peux pas bénéficier du revêtement spirituel que tu veux, Seigneur, me donner, à savoir l'onction. Seigneur, étends ta main, positionne-moi, positionne-moi. Il n'est jamais trop tard, quel que soit ton âge, mon frère, ma soeur. Quel que soit ton âge, il n'est jamais trop tard. Et en même temps, il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour que tu sois positionné dans ton couloir. Alors cet après-midi, demande au Seigneur, Seigneur, positionne-moi, s'il te plaît. Demande au Seigneur, positionne-moi. Positionne-moi. Place-moi dans mon couloir. Dans mon couloir. Place-moi, Seigneur. Je t'en prie, je t'en supplie. Positionne-moi. Je veux avancer dans ce couloir. Je ne veux pas perdre du temps dans un autre couloir. Je ne veux pas, Seigneur, me comparer avec mon voisin. Je ne veux pas me comparer avec ma voisine. Moi, je cherche mon couloir. Seigneur, positionne-moi dans mon couloir. Le couloir que tu as prévu pour moi. Le couloir où je suis censé évoluer. Le couloir où je suis censé m'épanouir. Le couloir où je suis censé déployer le potentiel que tu as mis en moi. Le couloir où je suis censé recevoir l'onction de Dieu que tu veux déposer sur moi, Seigneur. Je reconnais, continue à prier, dis au Seigneur, je reconnais maintenant, je reconnais mon autorité spirituelle, l'autorité spirituelle que tu as mis dans le champ dans lequel je me trouve. Je me trouve dans un champ, je me trouve sur un champ, je me trouve dans un contexte. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de l'onction, je ne veux pas passer à côté de l'onction que tu as prévue pour moi. Seigneur, accorde-moi la grâce de reconnaître mon autorité spirituelle, le berger que tu as établi sur ma vie. Seigneur, je veux le reconnaître comme tel. Je veux reconnaître mon autorité spirituelle comme tel. Et au-delà de reconnaître mon autorité spirituelle, Seigneur, je veux me soumettre à mon autorité spirituelle. Je veux me soumettre, être sous la mission, être sous la mission, être sous la mission, être sous la recommandation de mon autorité spirituelle. Et je veux servir, je veux servir, je veux servir. Seigneur, amène-moi à te servir. Amène-moi à te servir. Pour certains, c'est maintenant. Pour d'autres, il faut que tu sois restauré. Mais ensuite, il faut que tu marches vers les voies du Seigneur. Dis au Seigneur, accorde-moi la grâce de servir le leadership de mon autorité spirituelle. De le faire avec les valeurs que tu lui as données. De le faire avec la vision que tu lui as donnée, Seigneur. Élève la voix, prie mon frère, prie, élève la voix ma soeur, parce qu'il te faut l'onction, il te faut l'onction. Et ce que nous avons abordé aujourd'hui, ce sont quatre éléments qui te permettent d'activer l'onction sur toi. Dieu veut te revêtir d'un revêtement spirituel, d'un équipement spirituel qui te permettra de faire des exploits dans le couloir de ta destinée, qui te permettra de faire des exploits, de porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Seigneur, envoie l'onction, active l'onction sur ma vie. Élève la voix encore quelques instants. Active l'onction, Saint-Esprit, active l'onction. Active l'onction, revêt-moi. Ton onction, active l'onction sur moi, active l'onction, revêt-moi, Seigneur, de ton onction. Seigneur, de ton onction.
active l'onction sur ma vie, active l'onction. Revêt-moi, Seigneur, de ton onction. Revêt-moi, Seigneur, de ton onction. Ton onction. Ah. Merci Seigneur. Maramakataya. Makataya darere. Mashamakara la 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 la. Active. Active l'onction. Active l'onction. Revêt-moi, Seigneur, de ton onction.